Ça dérange que moi les faux remakes? Enfin, moi ce qui me dérange en réalité, c'est pas les faux remakes, c'est pourquoi Hollywood nous ment. Hollywood préfère dire que c'est une suite plutôt que de dire que c'est un remake. Donc c'est facile. En gros, ils engagent les vieux acteurs qui ont tourné dans des sagas prestigieuses. On peut parler de Star Wars, on peut parler de Alien, on peut parler encore que Alien, non, finalement, les acteurs sont pas revenus. Hein, donc, mais par exemple, si on prend Star Wars 7, ben Star Wars 7, c'est un remake, c'est un faux remake. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, les gars, on va continuer la franchise, mais en réalité, bon, vu qu'on n'a pas forcément trop d'idées et tout ça, tu prends ce qui a fonctionné avant et on continuera comme ça. Et voilà, ça passera, les gens iront le voir. Donc on a repris exactement la même formule, voilà. Et ça marche aussi pour Jurassic World. Jurassic World, c'est un faux remake, c'est un remake de Jurassic Park. Je pense vraiment que les studios ont peur que les gens, voilà, effectivement, dès qu'ils entendent le mot remake, voilà, on touche un petit peu à leur saga, à leur franchise et oulala, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire un remake d'un film qui a super bien marché? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus forcément d'idées, ils ont épuisé le filon jusqu'au maximum, que ce soit Jurassic Park ou les Aliens, etc. Ils se sont dit, bon, quand on fait des histoires originales, ben, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, on va tout simplement faire un reboot ou un remake, qui n'est pas la même chose, je sais bien, mais c'est un genre de remake déguisé. Parce qu'un reboot, c'est différent. C'est qu'on reprend une franchise ou un film qui a super bien marché et on le reboot. C'est-à-dire qu'on part carrément, on peut partir sur une autre histoire, on peut partir sur quelque chose de complètement différent. Un remake, non. Quand on remake un film, c'est quand on reprend le film et qu'on essaie de... Il y a des remakes qui ont été faits, qui ont été refaits plan par plan du film. Voilà. Donc un remake, c'est ça. C'est quand on refait une histoire existante, avec de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages, des fois, etc. Alors, je pense que les studios ont un petit peu peur de ça, parce que je pense qu'ils ont fait tellement de suites, de reboots, de remakes, que maintenant, ils savent que les gens ont peur de ces mots-là. Donc du coup, ils disent, c'est une suite pour relancer The Thing, peut-être qu'ils avaient peut-être prévu d'en faire d'autres, ou voilà, comme ils ont fait avec Chucky, par exemple, ou comme ils ont fait, ou là, comme ils vont faire, on verra, avec Predator, qui n'est pas un remake, qui est censé être une suite. Mais on le sait très bien, c'est juste pour relancer la franchise, donc ils ont dit oui, c'est la suite. Mais même s'il y a des indices, même si je suis sûr qu'on va peut-être voir des indices ou on va recroiser des personnages, mais en réalité, ce sera clairement un remake. Mais moi, ça ne me fait pas peur que ce soit un remake. Enfin, je veux dire, si au contraire, même si le remake il peut être raté, ben, c'est pas grave, au contraire, les gens redécouvriront les anciens qui étaient des chefs-d'œuvre. Voilà, par exemple, comme ils ont fait ça avec Total Recall, qui était un remake, hein, et même si c'est vrai que le film là, avec Colin Farrell était beaucoup plus fidèle au roman, ça reste un film bidon. À la limite, si ça avait même pas été un Total Recall, que ça avait été un autre titre, je pense que le film aurait été meilleur. Hein. Mais voilà, c'est incomparable avec le film avec Schwarzenegger, clairement pas. Et c'est ça que je reproche un petit peu, c'est que pourquoi est-ce qu'il faut toujours cacher que c'est des remakes, on dit que c'est des suites? Dites-le, vous faites un remake, voilà. C'est ce qu'ils ont fait avec Star Wars, clairement. Je comprends pas, à la limite, quitte à faire ça, vous faites un remake, vous faites pas une suite qui n'est pas une suite, c'est un petit peu facile de dire que c'est une suite, mais tu reprends exactement les éléments d'avant, tu donnes même pas les explications qu'il y a entre tel épisode et tel épisode, on reboot tout, on repart à zéro, voilà, donc c'est pas censé être un remake, c'est censé être une suite, mais qui repart quand même à zéro, donc c'est quand même bizarre. Ils ont fait pareil avec Alien Covenant. Alien Covenant, c'est clairement un remake de Alien, un remake un peu plus action, un peu plus actuel de nos jours, mais en réalité, c'est juste un remake. Finalement, je dis que c'est pas plus mal que Disney ait remis la main dessus, au moins... Parce que là, c'était plus possible, Ridley Scott, c'était clairement plus possible. Il faisait n'importe quoi avec sa franchise. Enfin, n'importe quoi avec les films qu'il avait fait, quoi. C'est que moi que ça choque de faire des faux remakes en disant « Nous, on a l'impression d'aller voir une suite, alors qu'en réalité, c'est juste un remake
d'un film qui a été fait il y a 30, 40 ans, 20 ans. Mais voilà, on reprend exactement la même histoire. On remet un petit peu les vieux personnages pour dire quand même c'est une suite. Hein, voilà, on vous prend pas non plus pour des cons les gars, c'est une suite. Hein, regardez, donc on parle du professeur Hammond, du professeur Grant dans Jurassic World. Comme ça, on dit quand même, bah, c'est une suite. Hein, mais en réalité, c'est exactement la même histoire que Jurassic Park. Voilà. Sauf que à Jurassic Park, le parc n'était pas ouvert. Et là, il est ouvert. Mais en réalité, le fait qu'il soit ouvert n'a pas une très grande importance hein, par rapport à ce qui se passe dans le parc, finalement. Voilà, ils ont fait pareil avec Chucky aussi. Bah, Chucky, c'est pareil. Hein, ils ont fait comme si c'était un remake. Je crois que c'était le dernier. Ou je sais plus, j'avoue que j'ai un petit peu abandonné. Mais le dernier que j'ai vu, là, il me semble que c'était ça. C'était présenté comme un remake, donc tout le film, c'était un remake, la poupée, etc. Et finalement, à la fin du film, abracadabra, en réalité, c'était l'ancien Chucky qui était caché sous un masque du nouveau Chucky. Bon, voilà, donc c'était clairement une suite, c'était un faux remake. Voilà, comme ça, au moins, on peut continuer sur la lancée. On est juste reparti sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. Tout comme Star Wars l'a fait, tout comme Alien a essayé de le faire, tout comme voilà. Et donc du coup, on va voir ce que ça va donner avec Predator. Bon, les bandes annonces, ça me disait trop rien au départ. Et finalement, ça me dit pas mal au vu de la dernière. Je me dis ça peut être très fun. On verra. Parce que le dernier Predator qu'il y a eu. Bah, c'était pas top, hein. Lui c'était pareil, c'était aussi un reboot ou un remake, clairement. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre un petit peu dans les deux termes. Hein. Donc on verra ce que va donner le nouveau Predator, qui est censé être une suite. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ça va simplement être un remake pour lancer la nouvelle franchise, continuer... dans le filon si le film fonctionne. Dites-moi un petit peu vous ce que vous pensez ça, des faux remakes, des remakes déguisés. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose de continuer des franchises qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans en reprenant exactement la même histoire? Et voilà, moi ça me dérange un petit peu, autant faire directement un remake. Moi j'aurais préféré qu'ils refassent carrément un reboot de Star Wars, pourquoi pas. On reboot Jurassic Park, on reboot Alien. On reboot plein de trucs, parce que là j'ai pris des exemples, j'ai pris Chucky, mais voilà, on reboot Matrix, parce que Matrix c'est pareil, apparemment en dernière nouvelle, Matrix, on va faire une suite de Matrix, après finalement c'est un remake, finalement on sait plus, si c'est vraiment des suites, des remakes. Je pense que par exemple la planète des singes, c'était une bonne chose qu'ils ont fait avec. C'était un remake de la planète des singes. Bon, c'est le commencement, mais au moins, voilà, c'est assumé. Est-ce que vous pensez pas que c'est un petit peu pour appâter les gens? Parce qu'ils savent que le mot remake fait peur. Donc, ils disent, c'est pas un remake, c'est une suite. Et puis, quand on va au cinéma, ça correspond exactement au film précédent. Donc, c'est bien un remake. Sauf qu'il y a les personnages d'avant. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi, j'avoue que ça me désole un petit peu qu'Hollywood soit arrivé à un tel point qu'ils aient plus aucune imagination et qu'ils soient obligés de faire des remakes de licences qui ont 30, 40 ans, de films qui ont 50 ans comme, voilà, 50, 40, 30 ans comme The Thing ou Alien. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de ça, votre avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le aussi, hein, je suis ouvert. Voilà. À très vite.